Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve. Attendez, je vais bouger un petit peu le micro. On se retrouve sur One Piece. Et c'est Odyssée, je crois. Oui, c'est ça. On va se découvrir ça. On est sur PS5. Donc, comme vous voyez, c'est Bandai Namco. On va se découvrir ça gentiment. Alors j'y connais pas grand chose à One Piece, hein. J'ai vraiment vu les basiques quoi. Mais je me suis dit pourquoi pas, on va découvrir ça, voir ce que ça donne. Hein. J'ai déjà vu quelques jeux à l'époque, c'était sur Wii, tout ça. C'était pas si mal, donc pourquoi pas. Hein. Elle a une belle présentation pour nous montrer les persos. Bon. Au moins dès le début ça bouge, hein. On a une petite présentation pour tous les persos. On avait les voix en jap aussi. Je sais pas si c'est les voix réellement de l'anime en version jap, mais en tout cas on est sur la démo, hein. J'ai oublié de le dire. Mais en tout cas, on a les voix japonaises. Ce que les fans souvent aiment. Moi, je suis pas forcément particulièrement fan. Après, je suis pas fan de manga ou d'anime forcément à la base déjà. Donc, je suis pas forcément bien placé pour parler de ce genre de détails. Après, il y a plein de points d'interrogation, de trucs partout, alors j'ai envie de tout regarder. On va perdre un temps pas possible dans cette vidéo, je vous le dis. J'espère que c'est pas ça tout le temps par contre, hein. Ça va être quoi les combats? Est-ce que ça va être du tour par tour ou pas? Parce que j'ai des personnages qui me rejoignent et tout, comme si on allait faire une équipe et faire des combats genre tour par tour. Il faut chier avec son chapeau. Allez, on va avancer un petit peu. Je ferai peut-être des cuts, hein, parce que...
Bon, il y a de l'orage en tout cas. Je vais regarder juste quelque chose. Ah ouais, en fait, regardez. Non, je vais juste regarder si dans les paramètres on a éventuellement. Ah ouais, il y a un mode performance et un mode graphisme, d'accord. Donc là, on est en mode performance, ok. Ok, ok. Ça me va. C'est plus fluide. Vous voyez là par exemple, je trouve que c'est un peu une perte de temps en fait. On nous a séparés pour qu'en fait j'aille tous les voir chacun leur tour et qu'ils me rejoignent. C'est un petit peu dommage, je trouve que c'est. Mais les Japonais ils sont forts pour faire des trucs comme ça, même dans les animes et tout. Il y a des pertes de temps pas possibles sur des trucs qui servent à rien ou qui durent une plombe. On se rappelle de DBZ à l'époque, même si ça a évolué aussi sur les animes et que c'est un peu moins le cas. Dans ce que j'ai vu. Des trucs, genre l'autre, il te faut 3 épisodes pour qu'il te lance son attaque, là, et à un moment donné, même si j'adore DBZ, c'est un peu. Il y a des fois, c'est un petit peu lourd, quoi. Ok. Des sacrés trognes, mais surtout dans des sacrés dents. Allez, on y va. On va l'aider. Allez, on y va. Ma gueule. Après, je sais, j'y connais pas grand chose sur One Piece, mais il y en a qui vont me demander pourquoi je fais ça. Mais parce que, en fait, j'ai envie de découvrir, quoi. Je suis tombé sur un gars. Je crois que c'est sur la page Facebook de jeuxvideo.com. Le gars, il y avait la liste des jeux qui sortent en 2023. En gros, il te dit, ouais, il a vu les 3 premiers, il n'y a rien qui m'intéresse. En gros, je m'en fous, y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais demander par curiosité à quoi il jouait. Le gars, il m'a dit oh, bah, j'attends Arc 2, puis après, je joue à Call of et à Apex. Bon, bah. Après, je me suis fait attaquer parce que je respectais pas les goûts, machin. Mais en fait, si, je m'en fous, chacun ses goûts. J'ai été le premier à le dire. Chacun ses goûts. Mais en fait, je trouve ça triste. De même pas s'intéresser, en fait. C'est même pas qu'il aime rien de ce qui va sortir en 2023. C'est impossible qu'il aime rien. Il y a forcément des choses qui vont lui plaire dans tout ce qui va sortir. C'est juste que je pense que le gars, il va même pas s'y intéresser, en fait. C'est surtout ça que je trouve triste. Bon. Du coup, c'était bien ça. C'est du combat au tour par tour. Mais c'est juste que le gars, en fait, va même pas s'intéresser à ce qui sort. Je trouve ça dommage, en vrai. Parce que je suis sûr que dans le tas, il y a des jeux qui vont lui plaire. Donc c'est pour ça, moi là, je teste. Je connais pas grand chose à la licence One Piece, mais par curiosité. Je teste, et puis après, ceux qui connaissent, ils pourront me corriger sur certains trucs, et voilà, mais au moins j'essaye quoi. Ouais, donc c'est ce genre de truc avec des combats au tour par tour et visiblement un peu au hasard, donc ça peut être un peu relou, compétence. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait vraiment comme dans les FF à l'époque, on prend. Il y en a plein là-bas. Hein.
Faut prendre l'XP et de l'argent, c'est pas mal. On n'a pas le temps, ils ont qu'à mourir. Bon, on va pas aller explorer par là pour l'instant. Oh là, qu'est-ce que c'est que... Ok. Ouais, allez, dépêche-toi. Non, voilà, c'est une démo, c'est juste pour découvrir, on veut jouer. Ah ouais, bah, comment tu veux que je... Avec les coups qu'ils me mettent là, comment veux-tu? Je pense que j'ai pas le niveau. Hein. Ouais, c'est pas lui que j'aurais dû le faire, mais comme je découvre le truc en même temps, j'avoue, je fais des conneries. Bon, en plus. Je vais faire un truc qui attaque tout le monde. Hop. Bon. J'aurais dû faire ça dès le début, hein. Oh, ils ont des têtes, franchement. Robin a des classes, mais par contre, ils peuvent pas s'empêcher vraiment avec les boobs. Les Japonaises ont un problème avec ça, alors que pourtant les Japonaises, elles sont pas connues pour avoir des seins énormes, quoi. Je veux dire, elles sont souvent assez minces et. Ok, donc il y aura des points faibles, des points forts, tout ça. On va pas rentrer dans les détails là, hein. Je vous laisse. Il met un switch in music. Essayer les compétences comme ça, vous voyez, ouais, ça me précise que là c'est faible.
Hop, on va utiliser des techniques, hein, on va... Hop, terminé. Switch in music, ça y ressemble hein, quand même. Après, il y a des trucs visiblement, y a comme dans Pokémon où vous souffrez de changement de statut, etc. C'est vraiment un mélange de pas mal de trucs et. Bah, c'est pas mal, écoutez. Oh, ok. On va tous gagner un niveau, alors je sais pas pourquoi on commence niveau 40, c'est peut-être pour la démo. Hein. Attendez, parce que le singe il est encore debout quand même. Hein. Il va peut-être pas être content d'avoir pris une tarte. Ça va mieux. Alors lorsque c'est au tour d'attaquer, tu peux sélectionner le personnage qui agira le premier. Ok. Parce qu'il faut leur faire du mal là. Hop, terminé pour lui. Et si on pouvait se débarrasser d'un... un max de type en même temps. Quoique il va faire mal, je pense. Oh, ça va. Faire mal. Déjà, qu'on se débarrasse des petits, c'est pas mal.
Comme ça, il est confus là. Est-ce que ça fait comme les Pokémon et que parfois il va s'attaquer lui-même? Ah non, il a perdu connaissance. Ah, maintenant il est victime de... En fait ça reprend vraiment un peu des combats un peu à la FF et en même temps ça reprend des trucs de Pokémon avec les statistiques, là il est brûlé par exemple, tout ça. C'est plutôt pas mal hein, en vrai. Hein. Allez, finito le singe. Combat accéléré maintenant disponible, ok. Il est avec son chapeau, hein, ça. C'est bien foutu la flotte là, j'aime beaucoup les cinématiques. Qui est au début, non? Bon, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, bon, écoutez, c'était plutôt pas mal. Après, moi, je connais pas grand-chose à la licence, vraiment les personnages de base et pas plus. Donc, voilà, je connais pas grand-chose. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, je pense que pour les fans de One Piece, ça peut être un jeu plutôt cool. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous.